sûr, on fait un petit stream comme dans mes trucs avec mon Saint-Toussaint. Mon Saint-Toussaint est dans la place. Bien sûr, je vais voir un petit peu mon stream, hein, parce que je voudrais bien voir si tout marche. Parce que je suis un youtubeur très connu. De n'importe quoi, en fait. Parce qu'on m'entend. Bonjour tout le monde. Il y a personne qui est là, mais je m'en bats les couilles. Je parle tout seul parce que j'aime bien ça. Bon, alors, non, pas de Rainbow Six pour l'instant. Ce sera du CS. Parce que j'ai envie. Non. Une personne qui est en train de regarder mon live. Bon, je vais arrêter avec les conneries. C'était seulement pour des petites tests parce que OBS vient de faire un petit update. Merde, mais ta gueule, YouTube. Non, ferme ta gueule. Non, non, j'ai pas envie de me. Non, ta gueule. Voilà, putain. C'est vrai quoi, ce connard. Je le connais, frère. Bon, alors, attends. Putain, quoi, j'ai encore 2 jours, mais nique ta mère. Mais nique ta mère, j'ai pas encore 2 jours, moi. Bon, mais sur Aquasonier, comme d'habitude, parce que j'ai rien à faire. Je parle avec c'est Jérémy, hein, qu'il est en train de me regarder, comme il a rien à foutre pendant toute la journée parce qu'il a congé. Ce salopio, hein. Hein, hein, Jérémy, hein. Connard. Hein, Jérémy, je t'ai un oeil. Connard. Connard matata, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi après. Bien sûr, mon stream toujours de la bonne qualité dans la place. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. La bonne qualité dans la place. Hein. Quand même 1080p. Hein. Non, 720p pour cette fois. Mais quand même, c'est la très bonne qualité, oui les gens. Oui, je dis oui, c'est la bonne qualité. Pour un youtubeur comme moi, bon, comme pour un petit streamer de mes 2 couilles comme moi, c'est de la très bonne qualité. Moi, je m'en bats les couilles de tous les autres. Je suis bourré. Oui, je l'avoue. J'ai bu de la petite vodka. J'étais délicieux. Merde! Ah! Putain. Putain, je me suis fait peur. Et des fois, je me demande vraiment si je suis pas le vrai monsieur Sergent Toussaint. Hein, que tout le monde connaît, bien sûr. Pourquoi je n'ai pas de son? Audio, musique au maximum. Hein, son maximum. Tout ça est bel et bien intrigant. On va voir sur le live. Ah merde! Mais putain, y'a un peloton! Ta gueule! Pourquoi le son ne marche pas? Non! Hey! Je me fais violer! Mais putain! C'est rêve de merde! je crois qu'on a eu un petit problème technique, mesdames et messieurs. Je vais m'occuper du problème technique et je vais y revenir tantôt, hein. Bon, je vais regarder les c'est quoi le petit problème. Et voilà, hein, parce que c'est pas normal qu'on entend rien. Attends. Ça, bizarrement, ça marche. Bon, c'est aussi mes écouteurs là, on entend. Ah, ça on entend, putain! Ça on entend! Hein? Putain, c'est quoi ce bordel? Pourquoi tu me fais ça, OBS Studio? Pourquoi? Canard! Ah, ça on entend, putain! Et j'ai pas entendu ma voix! Putain de sa mère! Pourquoi tu me fais ça, OBS
Ta gueule! Ta gueule à moi-même! Ta gueule! Ta gueule, j'ai même pas envie de m'entendre! Sa merde! Sa merde! Putain! À la fin, j'avais transité une personne! Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal! Putain, mais fais-moi un petit peu plaisir, OBS! Respecte-moi un petit moment, là! Sa mère! Audio! Stéréo, truc machin. Attends, ça marche. Je vais entendre ma voix comme un gros con, mais je m'en bats les couilles en fait à la fin. Ah! 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 Oui, mesdames et messieurs, il y a le son. Le pouvoir du son est avec moi. Oui, je dis oui, et oui, putain de sa mère, ça me fait chier. Bon, hein, je vais un petit peu augmenter le son parce que je sais pas comment elle est ma voix. J'espère que vous allez bien entendre. Ouais, parce que quand même, c'est pour vous. C'est fait pour vous que je me fais chier un stream. Hein, alors, un petit peu de ma voix et un petit peu du jeu, ça va pas déranger. Hein, j'ai raison. Hein. Ah, je sais que j'ai raison alors. Ta gueule! Je vais te rouler sur le cul, oui! T'inquiète pas, je vais venir demain. Demain à 20h. Ouais, t'inquiète pas, j'arrive! En plus, je viens de finir l'école, c'est parfait. Oh, j'ai un petit slide, un petit strip, je suis tout seul, c'est-à-dire je peux gueuler autant que je veux! Alors, allez vous faire foutre! Go on! Ah, putain, on a pas des casse-couilles! Ah! 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 Ah, j'entends un casse-couille! Ah mon dieu, j'entends un casse-couille! Ah mon dieu! Un casse-couille! Attention! Aïe! Aïe, un casse-couille! Aïe! Aïe! Un putain de casse-couille! Au secours! Aïe, mes oreilles! Oh putain, ce petit canard! Il est mort, il parle! Mais c'est quoi ce con? Ah mon dieu! C'est casse-couille! Aïe! Putain, et vraiment lui, il a déjà cassé, il m'a déjà cassé les couilles! Allez, moi je rage quitte, au revoir! Vraiment, tu vois des petits gamins là? Qui a pas envie de t'écouter quand tu dis qu'ils peuvent pas t'entendre, mais après ils continuent à parler comme des mongols! Singe les corner! Putain, le bâtard en plus avec les... Et quand même, le FAMAS, hein, des fois ça me... Des fois j'ai bien envie de l'essayer, mais des fois je trouve que c'est une arme de merde. Mais wesh, maintenant vous venez tous comme ça, je mort! De toute façon, j'ai rien à dire, je suis mort comme une merde alors. Ça va quoi. J'ai rien à dire en fait. À ta droite. À ta droite. Au moins lui il est pas. On va dire ça. Putain, j'ai une grosse merde en fait. C'est incroyable. Regarde-moi cette fluidité, regarde-moi cette fluidité. Oh mon dieu, regarde-moi cette fluidité, ce life incroyable. Traxa et gaming, ok, bon, toi, bonjour déjà, c'est très sympa. C'est très sympa d'être sur mon rêve, quand même. Zé, tu l'as? Je crois que ouais, je vais pas répondre à ce truc. Je parie que c'est soit un de mes potes tellement qu'il me casse les couilles, hein, parce qu'ils connaissent ma chaîne et veulent me faire chier parce que je suis pas une chaîne allemande. Parce qu'en fait, ils veulent tellement que je fais des live streams en allemand. Alors, ils vont se casser foutre. Je dis ça, mais quand même, putain, c'est incroyable. Je veux dire, j'ai un grand problème, mais des fois, ça me fait pas. C'est vraiment mon pote allemand, lui je le donne, hein, je le mot d'honneur. C'est pas mon pote allemand, bah bonjour. Sa mère la pute! J'ai été trop cité, tu le sais ça? Putain, pourquoi je suis une aussi grosse merde? Hein, moi contre mes potes là, je les encule, je les viole, je les prends par derrière, je les prends par devant, par les côtés, à gauche à droite bien sûr, hein, mais quand là je suis en train de jouer avec des autres personnes, je me fais enculer. Expliquez-moi cette logique. Je vous en supplie.
smoke. C'est quoi des fois, je crois vraiment que ma voix est un petit peu trop bas. Ouais, ma voix elle est un petit peu trop bas, alors tu sais quoi, je vais me mettre au maximum. Comme ça vous pouvez un petit peu mieux entendre, bien sûr, le son du jeu aussi. Voilà, parce que hein, il faut quand même entendre et entendre le jeu. Parce que sinon, ça me sert à rien de gueuler, à faire le canard, à faire le débile mental pour rien. Alors voilà quoi, hein. Je fais pas le con pour rien. Mon dieu. Ah, enfin t'en as gagné, je suis d'accord, je suis content. Je suis quand même putain de sous-merde, hein. Damn. Ta gueule, Connor. Terrorists win. I am planting bomb. Hein, je vais seulement dire ça. Je l'ai bien enculé l'autre, hein. Putain, c'est un beau petit jeu. Je suis fort de moi. C'est quoi, je vais revenir contre les mains parce que je suis vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas serein. Bon, ça va. Ah, je suis toujours pas serein. Je suis toujours pas serein. Pote qui est la WAF, je me dis. Allez, viens, mon petit coco. Jérémy est en train de faire un truc avec son frère, alors non, il a pas pu venir. Je l'avais demandé avant s'il pouvait rapidement venir, alors il a dit non. Il est en train de jouer aussi à son jeu. Je sais pas quoi c'est. Bref. Alors oui, ma foi, je suis tout seul. Ça me fond le cœur. Ça me détruit le cœur. Bon, Jérémy, mais ma foi, hein, s'il a envie de jouer à un truc, alors il a qu'à le faire. Je trouve ça un petit peu chiant comme lui, déjà, il avait. Moi je dois me casser. Yes. Ouais, je suis désolé mec, hein. Sinon soit moi soit Jérémy qui aurait fait le live.
La bombe de son couille. Mais bon, enfin, c'est, en fait, il avait un truc de mauvais sur un de ses jeux, alors c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Et aussi, voilà, tout de ça. Et aussi parce qu'il est en train de faire un truc avec son frère. Sinon, il a été sinon. Voilà, je sais pas, sinon il a fait un truc. Grosse merde. T'es sérieux, j'ai fait un kill avec ça? C'est quoi cette chose? Wesh! Il est con, mais comment ça se passe? Oh putain, le mec, non, mais le mec, c'est un vrai putain de mongol! Il a pas de son comme un putain de mongol! C'est dire, on peut être bien un mongol, mais. Bon, être un aussi gros con, on peut pas savoir, mais quand même! Come on, let's go! Pour l'instant, Jérémy est pas là, c'est pas pour ma faute, c'est lui qui voulait pas. Je l'avais demandé d'en faire un petit CS. Flashback. Smoke. Alors, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de tuer une personne avec un Tawa. En fait, il y a un problème, c'est qu'à cause de, d'un truc, je peux plus jouer au compétitif parce que, à cause de l'espèce de chien de collègue, mon pote, ils disent tout le temps viens jouer avec en occasionnel ou ils connaissent pas. Après, j'ai dû toujours quitter le. En fait, c'est à cause de ça que je me suis ramassé un ban sur mon numéro de jour et après, j'ai fini. Après, je peux recommencer la compète. Si t'as envie de jouer avec moi, hein, tu peux bien. Maintenant, si tu veux savoir mon niveau, hein, c'est 6, c'est-à-dire caporal, et grâce, je n'ai. Throwing fire! Ah, mais bien sûr, je connais pas trop du truc dans le jeu alors. Oui, si tu as envie, tu peux venir. Hein. Moi, je, dire, je me fais extrêmement chier sans GRM. Alors, si tu as envie, tu peux rapidement me mettre en ami. Après, je vais faire une petite partie. Mais si bien sûr, c'était un trop haut grade, alors là, je peux dire déjà en avance. Oublie. Mec, pas de. Ah, ça me fait mal. Ah, je suis en train de souffrir. Ah, c'était quoi? Ah, c'était quoi ce truc de merde? Ah, je suis sous merde. Go, go, go. Putain, alors là, c'était vraiment de la merde. Je suis sous merde. Arrête avec tes putains de flashs, connard! Flashback! Dum. Putain, mais quel connard! J'espère que. Ok, j'avoue, là je suis vraiment patient.
Non, c'est diffuse la bombe, je viens de t'enculer. Yes. Putain, là j'avais trop peur, tu vois, le con, il était complètement le trou. La bombe se fait diffuse comme une grosse merde. Enfin, c'est qui? La faute de qui? C'est la faute de qui? Les mecs commencent à faire jouer. Mais putain, t'es une sommaire! Toi contre eux, alors là je te dis là, putain, t'avais pas de chance. Ah, mes yeux. Non mais vraiment, le truc que je déteste le plus, c'est quand même les flashs, parce que ça te flash tellement la gueule, après ça te fait chier, tu vois le truc, t'as tellement envie d'enculer. Mais non, à la fin c'est lui qui va te verrouiller, c'est lui qui va te violer. Et en plus les flashs, je suis désolé, mais c'est des fois super utile. Tu flashes tout le monde, tous les enculés tous en même temps, après ils vont rager comme des petites tafioles. Ah, le hacker. Oh putain. Bomb has been planted. Win. Bah putain, c'était rapide. Non, on bat la carte. Allez, quatrième. C'est le professionnel, c'est Bibi. Putain, bah je te le promets, si t'as vraiment autant mal à cause du flash, va faire un docteur, je sais pas moi. Je m'appelle pas monsieur Lopez, docteur depuis 5 générations. Hein. Non, ça je suis pas encore. Hein. Mais de toute façon, je veux pas devenir alors. Je m'en bats les couilles. Let's go, people. Ça fait... Ça flash le son, ça flash le son. En plus ça stream, c'est ça le truc. Autonome. Hey, mais calme ta mère. Putain. Hey. Toi tu vas te fermer ta gueule. Non, plus c'est un stream le petit. Il a tiré 2 balles, il a touché personne. Deploying flashbang. Allez hop, tu me casses pas les couilles. Grenade. Allez hop, ça vient de nous faire chier là. Putain, je suis trop chiant ce soir. Allez, casse-toi le bot, tu sers à rien en plus. Voilà, c'était parfait, hein, mais je trouve moi il était parfait. Vous trouvez pas, hein? Bon, ok, je me suis fait défoncer au début, mais c'est le début, quoi. Form up, let's go. Et sur l'arme de pute. Mais putain! C'est quoi cette équipe de merde? Mais va te faire enculer avec tes flashs! J'ai fait un kill dans le tas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent ça, hein. En fait ça dépend, parce que une fois j'étais super chaud, je voulais niquer des mères. Mais comment dire, eux ils sont carrément en train de... Mes potes sont en train de... Ça veut dire que oui, j'ai du skill, ça dépend. Ça dépend des moments, mais oui, sinon j'ai du skill. Putain. Hey. Écouteur de merde. Putain. Ah mon dieu. Bomb has been planted. Non mais tu vois, je suis allé sur l'inverse.
normal, je défonce des foufounes avec ma balle. Normal. Toi, espèce de russe, voilà, si tu crèves, j'ai donné, je vais pas te donner. Tu vas pas avoir. Tu vas pas avoir. Bah voilà, t'auras pas de vodka, tu m'as fait chier alors. Putain! Bon voilà, oui, alors en fait, une fois j'étais complètement chaud, j'ai fait 3 kills avec pistole. Mais en plus, hein, tu sais pas. Mais hein, je connais. Avant, j'étais sur une partie où il y avait des putains de noobs. Là, je faisais tranquillement 20, 25. C'était bien ça. Ok, là, j'avais un pistolet, c'est de la merde. C'était vraiment des noobs. Alors là, c'était vraiment facile. J'ai pris mon petit pistolet. J'ai pris mon petit pistolet, hein. J'étais terroriste. Après là j'étais complètement normal hein, par rafale ou bien un truc comme ça. J'ai niqué 3 mecs avec ça. Après il y avait une belle petite ligne de petits bâtards. Boum, un problème tranquille. Après on est arrivé sur la map de fou. J'ai arrêté des mers avec mon AWA. Après il y a carrément un mec qui voulait me skip parce que je ne sais pas écouter, parce que je m'en bats les couilles, parce que les petits kikoloïs qui parlent, ça fait si, moi je les défends, je leur nique la merde. Non, parce que ils croient qu'on les entend, mais en fait on les entend même pas. Alors s'il vous plaît, au secours, mes oreilles, on dirait des petits canards qui sont en train de cuiner là, putain. Mais vraiment, va devenir adulte toi aussi. Va devenir adulte, après tu pourras parler avec moi. Putain, flash de merde. Casse-toi sa mère la pute ou bien je vais t'enculer. Ça j'aime pas quand il y a des potes qui sont. Ah ouais quand même l'USP. USP c'est vraiment l'arme que j'aime bien. Parce que on dirait qu'il est vraiment précis hein, si tu vises bien cette putain de précis. Sûr qu'il y aura un mec qui va une fois back, une fois un ou une autre. J'étais sûr, c'était sûr. Là, je suis mort comme une merde. J'ai dépensé 4750 pour rien du tout. Et je me suis une fois dit que je pourrais essayer de devenir joueur professionnel, hein. Mais ça, c'est dans mes rêves. Oui, je le sais. Quand même, hein, je fais pas le point, moi. Même si je suis un gros connard avec. Surtout, on connaît la petite salope. Ah, la petite salope, le petit LP9. Rafale la gueule des personnes qui sont super proches. Je crois, hein. Le hug, j'étais ici, c'est vraiment le meilleur endroit pour hugger les gars. Mais je vais t'en chercher un job, connard. Allez, c'est comme ça que dire. Ouais, en fait, vraiment, il faut souvent bien viser la tête et être proche. Hein. Parce qu'avec le mode rafale, tu rafales dégueu, comme j'ai dit. Defusing. Ouais, c'est pour de vrai aussi l'USP. Ah putain! J'ai perdu mon arme. Let's go, let's go. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est pour vrai que même le Glock fait une putain de dégâts. Juste le rafale. Tu fais deux coups de rafale, tu
toi, je vais essayer. Y'a bien sûr la personne qui le... Non, ça m'énerve. Mais putain, cut-le qu'on en finisse là. Cut-le comme une merde. Cut-le comme une sous-merde. Voilà. D'accord. J'ai pas envie de jouer une grande pistole parce que c'est un pistolet. Je suis vraiment obligé, j'ai d'abord sur la personne qui crève pour voir ça. Moi aussi, là, les mecs ils me voient comme une grosse salope. Le mec il a acheté. Hé! Putain, j'avais peur. Putain, mais en fait, foutez-moi les bacs! Mais... Je crois que je vais trouver plus con que moi, alors moi ça me rend très bien heureux. Putain, voleur de kill. Et en fait non, c'est le contraire, c'est moi. C'est moi le voleur de kill, mais j'en peux. Ah d'accord. J'étais à la mode. Bah rip. Ah bah rip. Ah bah je... Je veux dire le désarticule, désolé mais c'est une arme de fils de pute et il one-shot toujours tout le monde. Y'a quoi comme arme? L'autre arme que l'autre fils de pute m'a ajouté, c'est une arme de fils de pute parce que ça one-shot aussi tout le monde. Ça touche pas, en fait c'est une arme qui fait plus de dégâts comme une grosse salope. Voilà quoi, c'est super chiant ces armes. 5-7 quoi, c'est l'arme que j'ai eu de... Merci. 5 c'est le meilleur endroit pour camper. Eh, tu touches pas à mes potes, connard. Allez, ta fiole. C'est quoi, j'ai bien. Putain, j'avais tellement cru que je l'avais touché. Ah, mais ça me deck. Attends, j'ai buté combien? Ah, si, j'ai touché 2. Voilà, regarde-moi ce couple. Bomb has been planted. Sans être raciste. Putain, regarde-moi ces deux ta fille, ils sont noirs comme des merdes. Putain, mais... Smoke. Vous êtes tous des points de merde. Bon, ouais. Ouais, quand même, hein, pas trop pas être raciste ou que je te banne, hein, tu m'y connais pas. Ah, Dark Tiger. Dark Tiger. Dark Tiger. Dark Tiger. Dark Tiger. Dark Tiger. Ça va, à la fin, je crois vraiment que c'est un grand mot, ouais. C'est en train de servir à rien d'être raciste, hein. Non mais vraiment, contre les blancs encore. Bon c'est pour de vrai, hein. Toujours mieux avoir une voix aiguë que voilà quoi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ce point là, ce mot celui-là, monsieur raciste. Vous croyez que vous n'avez pas vu? Connard. Oui crève, crève salope, crève. Donne-moi mon power, petit peu chien.
Non, moi, non, moi, moi. Qu'est-ce que je t'ai dit, fils de chien? Il a ta raison. Rip la réalité. Ah putain, de toute façon, dans ces secondes, la réalité, de toute façon. Avec ses antonopes 2002 là, putain. Mais vraiment, il joue sale, ces bandes de bâtards, il joue avec le tonneau. Le tonneau. Putain, ça joue sale, c'est ça le problème. Ça joue tellement sale. Regarde-moi ce. Regarde-moi ce noob avec son auto-noob là. Ah mon dieu, je suis encore quatrième. Mais quel professionnel. Ma foi, hein, rip la réalité, c'est normal. Ah bah voilà, là elle est ma petite chérie. Qu'est-ce que j'ai dit que je vais dire, je ferme ta gueule. Suck my balls, motherfucker. Ah, j'ai retrouvé ça. Sus mes grosses balls, motherfucker. Sus mes grosses là. Ouh là là. Eh ben merguez, comment ça va? Arrête de merguez, arrête de merguez. Merci, merci. Merci copain, tu t'es sacrifié pour une bonne cause, t'inquiète. Merguez, arrête de merguez déjà, hein, ça sera parfait. Putain, le truc que j'adore le truc que j'adore dire, c'est sus mes grosses couilles là. La violence. Ah bah ouais, il faut pas casser les couilles, hein, vraiment. Putain, mais maintenant ils ont peur. Regarde-moi cette affiole. Ah non, j'ai pas peur, j'ai rien dit. Ah, putain. Putain, mais. Laying down smoke. Hein? Attends, pourquoi la... pourquoi ton truc il est rentré? Hein? Moi je comprends rien du tout. Pourquoi ton message a été Ah, de ta part, bien sûr. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Putain, t'es sérieux? Comme une salope. Toi ta gueule. Déjà va te chercher un boulot. Va te chercher un putain d'hobby. Ta gueule. What the fuck. Ok, il y a vraiment un délire avec mes potes. Avec taper des personnes, c'est la violence totale de l'école. Bon, si vous avez écrit quelque chose, hein, je suis plus sur le live. Parce qu'il y a un connard qui a mis quelque chose et je devais voir. Hein, ouais, je me fais un petit peu chier. Grenade out. 114 de mes deux couilles. T'inquiète pas, je vais te voir. Attends, petit merdeux là. T'inquiète pas, je vais venir voir.
Fils de pute, tu t'es créé des comptes. Tu t'es créé des comptes, je le sais, tu fais même pas de vidéo, tu t'es fait des comptes. Ah, tu fais même pas des vidéos de qualité, qu'est-ce que c'est? Ta gueule. Je me demande vraiment bien pourquoi. Ben voilà, je vais voir ce que tu fais, connard. Parce que là, je. Ta gueule, j'ai. Ouais, petit bluffeur de merde, t'inquiète pas, toi, je vais t'enculer une fois. Let's go. C'est quoi cette logique? Et comment t'as eu 114 abonnés, connard? Voilà, maman, je m'en bats les couilles de mon chat, je vous en prie. Bien sûr que le truc est sur ça, merguez pas pour ça, je t'enculer. Par contre, toi, merguez, je vais t'enculer. Je vais t'enculer. Voilà, il s'est fait des comptes pour y répondre à tous ses points de s'abonner à sa chaîne. C'est de meilleure qualité, alors ta gueule. Savez. Merguez, c'est à cause de toi tout ça. C'est à cause de toi, ta mère la pute. Et c'est sûr, le mec il est allé vers ses potes, abonnez-vous à ma chaîne! Putain! Je parie, il sait même pas faire une vidéo sur son ordinateur! Mais ça va, toi aussi je le déteste! T'inquiète pas, ça je vais dire à Jérémy! Voilà, je vais dire ça à Jérémy, connard! T'inquiète pas, je t'ai à l'œil! Voilà, je vais dire ça à Jérémy, t'es dans la merde! Voilà, je vais le dire! Voilà, je le promets, je vais le dire. T'es dans la merde. Je connais pas mon pote, t'es dans la merde. Je vais dire ça, Jérémy. Attends. J'ai 114 abonnés, ça compte pas comme de, comme de la publicité en fait. Non, mais ça compte comme de la publicité. Désolé, mais ça compte quand même la publicité. Ah putain. Oh putain, je suis un fils de pute. Ça compte comme de la publicité. Moi, j'accepte pas la publicité. Ah, j'accepte pas la publicité. Alors, ça compte comme de la publicité. Alors, moi, je. Oh putain. Very good shot. Oh putain, je suis une grosse sous-merde en fait. Je suis partie des plus grosses sous-merdes qui existent sur cette terre. Vous pouvez me traiter de tout. Parce que désolé, ça c'est vraiment un coup de sous-merde. Ça mais, hey, c'est pour de vrai, ça coûte de la publicité. Les couilles avec sa pub, il m'a cassé les couilles avec sa pub, il m'a énervé. Tu sais quoi, merguez, là je t'ai vraiment cassé les couilles, même si Jérémy va dire non, hein, je m'en fous, je vais te remettre en admin parce que là, quand même, c'était vraiment un coup de fils de pute. Alors félicitations, tu es devenu mon nouveau admin. Comme je suis pas un fils de pute. Eh, c'est moi pour m'excuser, t'inquiète pas pour le live, je vais t'enlever ton grade d'admin, t'inquiète pas, je m'en bats les couilles.
Je suis un gros bâtard. Non mais quand même là, c'était de la publicité. Bon, vous êtes je te connais pas, sauf si t'as pas de GRM, alors là je suis d'accord, mais sinon je te connais pas. Ah, je suis désolé si je te connais pas. Parce que c'est une chaîne québécoise. Alors allez, à toi aussi, un petit cadeau. C'est moi parce que t'es le pote de Jérémy, sinon je m'en bats les couilles. Hein. Hey, ma Karen. C'est moi parce que t'es un pote de Jérémy, alors fais pas trop ton beau, hein, putain. Yay. Première fois admin dans ma vie, hein. Super. Parce que t'as un peu déjà mis en fait 4 d'accord. Ah, arrêtez, ça s'appelle un viol. Ouais, t'inquiète, non rien, non rien. XD, on en met. Ah, je me suis fait violer. J'ai 3 personnes qui me regardent, c'est à dire je suis canard et tout. Moi aussi c'est ma première fois. Moi aussi c'est pas ma première fois mais quand même. T'inquiète pas, je vais encore demander à Jérémy si t'es qui toi. Bah t'inquiète pas, je vais encore le demander. Mais comme c'est une chaîne québécoise et comme l'autre il habite au Québec, alors voilà quoi. Si je suis encore assez intelligent, je crois que tu es son pote. Moi je suis le mec le plus sympa du monde et je balance des modos à gauche et à droite. Alors toi tu vas devenir admin, toi tu vas devenir admin. Après il y a Jérémy qui vient et dit mais tu te fous ma gueule, on doit parler ensemble à sa mère la pute. Après Merguez s'est fait enculer par Jérémy parce que c'est... après bon en fait je mets souvent les modos mes potes, alors voilà. Ça compte comme de la publicité de parler de sa chaîne dans une autre chaîne. C'est pour ça que tu te fais bloquer pendant que c'est bon. On en parle de ta crise d'adolescent là, je vais me désabonner. Putain, vous et vos magies noires, c'est incroyable. Toujours vos magies noires à la gueule. Putain, c'est incroyable. Oui, le mec il s'est fait enculer. Mais bien profond en plus. Ah bon, vous faites toujours vos magies noires avec votre voodoo là. Putain, bande de canards. T'inquiète pas, moi et mon pouvoir du chocolat suisse, je vais t'enculer là, t'inquiète. Moi je vais t'enculer avec du chocolat. Bon vieux chocolat suisse qui va venir t'enculer. T'inquiète pas, je suis dans la classe. Eh là c'est raciste bâtard, qu'est-ce que je t'ai dit avant. Pas de truc raciste dans ma chaîne.
Allah Akbar. Putain. Putain! Merde! Non! Merci de m'avoir effacé ce truc, hein. Ouais, à la voix barre, moi je t'inquiète pas, je vais t'enfoncer avec mon chocolat, hein. T'inquiète pas, le chocolat suisse il va te défoncer là, tu comprends, tu vas rien comprendre. Là tu seras gros en 2 secondes, t'inquiète pas. Hein, le pouvoir du chocolat suisse, lui il te dupe pas, mais pour ça il va te donner le diabète. Voilà, t'inquiète pas, mon pouvoir du chocolat suisse il va te donner le diabète quand tu sais pas quoi. Oui, déjà ça c'est très bien, bien fait, c'est-à-dire que t'es un très bon modo, je t'aime déjà beaucoup. Déjà je suis pas un parisien, c'est-à-dire dans ton cul, et je vais dire ça à Jérémy. Ah non, bien sûr pas à Jérémy, je vais dire ça à tous mes potes français, hein. Moi je m'en balèque. Mais eux aussi ils sont balèques parce que des petits kikous là comme ça, à gauche à droite. Tu sais quoi, je regrette complètement pas de t'avoir mis en admin. Je t'aime beaucoup. Je suis très ému. Hein. Une fois j'ai un admin compétent. Un blédard de mes deux couilles, un blédard de suceur. Mais non, tu suces des blédards, c'est quelque chose d'autre. Eh 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 hein. C'est pas parce que toi t'es admin que je peux pas aussi t'enculer. Ah Jérém. Jérémus, comment ça va? C'est très bien ça. Ah, putain, je te déteste. Espèce de mongol. Alors j'ai mis un de tes potes, je sais pas si c'est un de tes potes, mais je suis en admin, il fait très bien. Bon, alors je suis d'accord. Pas merguez, hein. Merguez, non. C'est... je m'en bats les couilles en fait. C'est Heroes Boys. Heroes Boys. Voilà, il s'appelle comme ça. Oui. T'es trop nul. Mais toi, je vais t'enculer, t'es trop nul, la merguez. T'inquiète pas, tu vas encore te ramasser 300 secondes. J'ai appuyé dessus, j'ai une mise à jour, hein. C'est pas ma faute si au Canada ils ont des trucs, hein. Putain. Oui, je l'ai démarré, après il y a eu une connerie avec une mise à jour, alors j'ai dit ok, hein, je vais me casser les couilles. Bah, ça veut dire que t'es une sous-merde. Form up, let's go. Ah oui, c'est pour de vrai. Au Canada, ils ont un problème. Non. Mais alors, toi, t'as vraiment un problème avec OBS, alors c'était vraiment pas normal. Bon, tu sais très bien que je suis en live en fait, hein, voilà. Et ton pote il est en train de chialer parce qu'il n'est pas avec moi en live, salaud. Oui, je le sais, mais quand même. N'oublie pas tes potes. Bon, bref, je continue le live parce que j'ai pas envie de crever comme une merde. Pour l'instant, j'ai un kill alors c'est dégueulasse. Bon, allez, à la play. Tchou-tchou. Bon, vous, hein, les petits canards, là, je vous ai à l'œil, putain. Je prends un peu de vivre. Putain, je me sens trop, je vais faire un cul. Sa mère!
Seulement que c'est Jérémy cette fois. Voilà, je vais l'engueuler après. Jérémy. Voilà, je vais t'engueuler après. Voilà, t'inquiète pas, on va discuter pendant un petit moment. T'inquiète pas, Jérémy. T'inquiète pas, on va discuter un petit moment la prochaine fois. T'inquiète pas, on va te parler un petit moment la prochaine fois. Ouh là 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 là. Mais ta gueule. Attends. Un petit connard, tu veux faire rater un sniper? Non, fais pas trop mal, fais pas trop gros. Moi je te promets, je te prends par derrière. Là tu peux, là tu comprends pas. Je mets pas trop. Voilà, je te prends 1v1 tranquillement là, putain. Oui, bonjour Jérémy. Ouais, manger avec. Arrête de t'inventer une vie là. Arrête de t'inventer une vie, merguez de mes deux là. T'inquiète pas, je vais t'enculer. Arrête, t'as vu, le mec c'est une tafiole. Il dit qu'il va bouffer de rouge, je vais l'enculer sur CS. Voilà, hein. Arrête de t'inventer une vie, t'inquiète pas, on sait très bien que t'es un no life. Oh, ta gueule. Bon, Jérémy, tu peux parler avec ton pote, hein. Je vous rappelle que vous habitez droit à vous. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Putain, regardez-moi ce no life. Regardez-moi ce no life. Trop, je le dis que je vais venir. 1v1, il s'est barré comme une tafiole. Bon, regardez-moi ce no life. Putain, je m'en suis. Ouh là là, je suis sur le chien. Je vais encore mourir comme une merde. On va le dire. Regardez-moi son son live. Il est là, je te tue ce matin. Et venez mes petits poissons. T'es une merde, bah viens un contre un que je t'encule là, tu vois, je prends, hein, t'inquiète pas, je prends ma souris, je vais t'enfoncer dans ton cul, je vais te le laisser pendouiller pendant une semaine. Ouh là là, t'inquiète pas, je vais te chercher. Ouh là là. Et en plus, comme tu as écrit ça, voilà, dans ta gueule, tu m'as cassé les couilles, encore 300 secondes, encore 300 secondes dans ta gueule, tu m'as cassé les couilles là, putain. Et viens comme ça, t'es une merde. Bah t'inquiète pas, 1v1, après on va voir c'est qui la merde, petit con. Eh, on me casse pas les couilles. Attends, non, je me suis trompé de personne. Non. Non, je voulais trop pas, je voulais trop de personne, je voulais trop de personne. Ok, d'accord, je suis une grosse merde. Attends, je me suis complètement trompé de personne. Ah, je me suis trompé de personne, je suis désolé. Ah, je suis une sous-merde. Aïe, c'est ça. À la fin, c'est quand même sorti. Juste... Putain, je voulais tellement pas l'enculer. Ce gros con là, ça trompe mieux. Merguez. Ah, merguez, n'inquiète pas, j'ai ta tronche dans, devant mes yeux et c'est pas beau à voir. Et salut à tous. Mon copain.
compagnie de moi. Et j'en ai gaze. Il joue sur mon PC, putain. On est la nuit, les gars. On est le soir. J'arrive. Hein? 18%, t'es sérieux? Wesh! Voilà. Un sous-mère qui fait des vidéos sur son téléphone. Comme c'est mignon. Le mec, il vient avec 20 formations une journée. T'es une grosse sous-mère parce qu'en fait tu dis information, mais en fait c'est seulement abonnez-vous à ma chaîne. Comme un gros mongol, alors bon merci, déjà c'est complètement débile. Après c'est quoi cette toute dernière vidéo? Hein? 15 vues pour ça? Je filme les gens dans ma vidéo? Putain c'est quoi ce bordel? Oh là là, ça me casse les couilles. C'est comment mon autre fils de pute de pote, il a même pas fait un truc de 30 secondes, il a eu 300 vues comme une salope. Putain, moi je vais me casser les couilles à faire un live pendant 11 heures pour avoir un truc comme ça, alors nique ta race. En fait, c'est vraiment un live de merde que tu fais. Fais ta pub et je raid. Oh mon dieu! Oh! Ça me donne envie, ça me fait... J'ai tellement envie de vomir. Oh là là, j'ai tellement envie de vomir. Ça c'est même pas un no life, c'est un sur no life. Un petit kikou lol, hein. Tout seul, hein. Qui casse les couilles, hein. Qui se bluffe parce qu'il a un petit peu plus d'abonnés qu'une autre personne, hein. Hein, on en parle, on en parle. Fuck! Vraiment, regardez-moi cette colère là, putain. À la chaîne. Ouais, c'est sûr que c'est ses parents et ses grands-pères là qui sont venus s'abonner. Ok, description, abonnez-vous. Waouh, la meilleure description du monde. Putain. 2000 vues. Ouais, mais aussi parce que le mec il spam les vidéos. Attends, sa chaîne a été craquant en fait. Hein? Inscrit le 1er septembre 2017. Combien de vidéos pour qu'on rigole rapidement, hein? Non, ta gueule avec ton lien Facebook. Ah, environ 20 milliards, ils spamment les vidéos chaque jour, regardez-moi ça. En une semaine, ils spamment les vidéos. Regardez-moi ce gros porc. Oh là là, c'est nain. Oh là là, regardez-moi ce spammeur. Oh là là. Regardez-moi ce spammeur de vidéos. Oh là 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 là. C'est sûr que comme ça t'as des vues. En plus, il y a même des trucs qui ont zéro vue. Troll et RP, waouh, jeu, waouh. Waouh, c'est quoi ce truc de merde? Waouh, c'est aussi de la merde. En plus, dire qu'il y a 30 personnes qui ont regardé ça, ça me choque vraiment, c'est incroyable. En plus, ça parle jamais de jeux vidéo, hein? Information, super, je m'en fais, je m'en bats les couilles des informations. Mec, c'est bien de faire des informations, mais c'est de la merde. Non, désolé, mais... Eh, c'est de la merde. Je fais vidéo en classe.
40 vues. Mais mec, c'est sûr qu'il y a des bâtards qui regardent ton effet ta pub si après tu vas faire une pub. Oh mon dieu, c'est quoi ce cancer? Eh mec, fais pas ton boss moi parce que t'as 114 abonnés. Des fois je me demande vraiment comment il y a des cons qui sont plus abonnés à ta chaîne. Parce que regarde-moi. Regardez rapidement ça. Hein. Bon, d'habitude je joue pas comme ça, mais le mec il m'a cassé les couilles. Regardez-moi ça, cette mauvaise qualité là. Sur Gmod 42 secondes, waouh! Regardez-moi cette mauvaise qualité, ce truc de mes deux couilles. Et regardez vers un vrai professionnel qui a essayé de se casser les couilles ce mois pour sa chaîne. Regardez-moi ça. Il a tout fait pour se casser les couilles. Il a tout fait pour ses abonnés. Il a tout fait, il a tout essayé pour avoir ce résultat-là. Et bien sûr, seulement 46 abonnés. Bon, moi je m'en bats les couilles parce qu'au moins il y a des personnes qui regardent mes lives de merde. Mais quand même, respectez-moi un petit peu. J'ai dû aussi me souffrir, moi. Putain, en plus, c'est trois connards qui me regardent. Bon, moi je me bats les couilles parce qu'au moins il y a des personnes qui regardent mes lives de merde. Mais quand même, respectez-moi un petit peu. Casse les couilles, c'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pour Jean Merguez, hein, le petit bluffeur de 2 ans là qui commence à casser les couilles. Casse les couilles, c'est incroyable. Je dis seulement que voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pour Jean Merguez, hein, le petit bluffeur de. Parce que waouh, peut-être t'as 114 ans, là, abonnés, pour ça tu fais de la merde. C'est tout ce que je veux dire. Alors ta gueule, voilà. Waouh, en fait on s'en bat les couilles, hein. Moi je fais ça pas pour l'argent comme ta grande mère là. Ah, je vais faire des lives. Regardez, je fais des vidéos. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh là là, regardez, ouais, je suis un clown. Pour l'argent comme ta grande mère là. Déjà que je me casse les couilles à faire des streams, leur ferme ta gueule. Regardez, je fais des vidéos. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh là là, regardez, ouais, je suis un. Déjà que je me casse les couilles à faire des lives, tu crois vraiment que ça me fait rigoler? Après, il y a encore des petits cons là. Abonnez-vous à ma chaîne, regardez-moi comme des petits tafioles. Parce que déjà, ils sont en train de profiter des personnes qui se cassent vraiment les couilles pour faire quelque chose. Et après, encore toi qui viens, j'ai 114 abonnés. Regardez-moi, j'ai 114 abonnés. Mais pour ça, mes vidéos, c'est de la grosse merde. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait pendant toute ma vie, c'est spammer des vidéos comme une grosse merde. Waouh, regardez-moi, j'ai 14 abonnés. 114 abonnés, waouh. Mais mec, moi, je m'en bats les couilles de ta vie. Tu peux avoir 1 million d'abonnés ou bien 114 abonnés. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis content avec mes 46 abonnés. Non, mais. Ah, le cancer! Plus là, je commence à rager pour rien. C'est ça qui me casse les bons becs. Je rage pour rien. Comme déjà il m'a foutu la rage, alors je lui dis raconte sur Rainbow Six. Non mais en fait ta gueule est fonce. Non ta gueule, tu m'as cassé aussi les couilles. C'est quoi? Enfin j'ai vraiment fait faire un live de merde pour casser les couilles. Un vieux live de merde. Vraiment seulement pour casser des burnes là. Bon vieux live de merde qui casse tout le monde les... qui casse les couilles à tout le monde. Mais non, même de faire du putaclic à la fin, vous me cassez les couilles. Fuck. Mais tu sais quoi, je vais carrément une fois arrêter avec YouTube parce que hein. Maintenant je comprends pourquoi les mecs sur les streams ils disent ils mettent souvent sur Twitch. Moi je comprends pourquoi en fait ils mettent toujours maintenant je sais pourquoi ils mettent toujours abonnés only. Hein, seulement les abonnés qui peuvent écrire parce que des petits qui coulolent comme ça. Ah mon dieu, c'est le cancer d'internet. C'est le plus grand cancer. Tu vois, ça t'encule, ça te mange de l'intérieur jusque tu vas péter un plomb. C'est ça. C'est ça. Et après, hein, il y a des mecs qui disent pourquoi ils mettent ça, moi j'ai rien fait. Mais c'est à cause des autres cons là qui font n'importe quoi. Après, ça tombe toujours sur les personnes qui n'ont rien fait. Putain, maintenant je les comprends. Ça m'énerve. Fuck. Comment un mec en 2 secondes il a réussi à me faire défoncer, à commencer à me faire rage. Vraiment des mecs comme ça c'est du concert, mon dieu. C'est de la merde. Je veux m'en dire que c'est de la grosse merde. Non mais vraiment, non vraiment. Je pète un plomb, puis j'ai kick une personne sans faire exprès. Je voulais pas faire parce que l'autre coin il m'a cassé les couilles. Super. Ça me dégoûte, tout me dégoûte. Putain.
Ah super, j'ai 114 abonnés, moi je m'en bats les couilles de ta vie mec. Tu fais ta vie, tu spammes autant de vidéos de merde que t'as envie, moi je m'en bats les couilles. Non mais vraiment, on dirait que t'es comme l'espèce de truc moche là qui est sur mon live et qui a écrit abonnez-vous à cette chaîne comme un gros mongol. Mongolien, avec un plus aussi plan qu'un cul le mec. On dirait que c'est un élève qui sait rien foutre de sa vie. Putain. Putain, c'est quoi tous ces kikoulol qui viennent sur les petits lives là comme des. Bah. En fait, j'ai carrément envie de vomir. Ah, ça m'a dégoûté. En plus, genre que je t'aimais encore un petit peu, hein, ce que Berguez là. Mais non, là, t'as dépassé les bornes. Voilà, je m'en bats les couilles. Maintenant, mon live, c'est devenu de la merde. À la fin, moi aussi, je m'en bats les couilles de mon live. Fuck. Vraiment, il a qu'à se faire foutre. À chaque fois qu'il vient, je me bloque. C'est quoi? Il a cassé un live en une seconde, ce bâtard. Moi, voilà, chaque fois qu'il vient, je le bloque, je m'en bats les couilles, même pour que personne ne voit ce qui est écrit, je l'enlève. Je vais le bloquer jusqu'il crève. Elle n'a qu'un elle. Oh merde! En plus, c'est... j'ai une vie de merde, c'est son truc. Servez-vous du drone pour localiser une bombe. 10 secondes. Insertion dans 5 secondes. Ah. Désamorceur repris. Votre mission consiste à trouver et désarmer une bombe. Vous devez récupérer le désamorceur. Désamorceur récupéré. Change de chargeur! Des amorceurs entre nos mains. What are you doing, man? Nice! Nice! Ta gueule. You're so good. Noob. Ah ben oui, j'ai changé de jeu et l'autre connard il m'a cassé les quiz. Voilà, s'il revient, je vais le bloquer direct. Mais je t'autorise directement l'enculé, hein, parce que...
petit casse-couille là, il m'a cassé les couilles en deux secondes. Alors, ok, j'ai... guys, let's go. Non, en fait, non, je vais continuer à le prendre, mais option, s'il te plaît. Option. Audio. Volume principal. Chat vocal. Eh, voilà ce que j'en pense de ton chat vocal, t'es content? Oui, appliqué, putain. Mais vraiment, je t'autorise. Ouais, la merguez, là, je te promets, je t'autorise, tu peux le bloquer autant qu'il veut, parce que... Oui, en fait, je m'en bats les couilles de sa vie, alors il peut avoir autant d'abonnés qu'il veut, moi, je m'en bats les couilles, alors une fois, il a pas... Je suis vraiment désolé que je t'ai bloqué, hein, je voulais vraiment pas, t'étais la mauvaise personne. Barricade installée. Hop fort a localisé une bombe, adaptez vos défenses. Allez vous faire foutre. Il reste 5 secondes. On a localisé une bombe. Attendez-vous à une action ennemie. Je déroule le tapis rouge. J'installe le matériel. Non mais je veux dire, tu vois, des petits qui coulent comme ça, j'aime vraiment pas. Je recharge. T'es sérieux? Pourquoi je me ramasse toujours des headshots? Une bombe a été localisée par Hopfort. Là je l'ai complètement pas vu. Putain. En plus je sais pas quoi jouer en fait, c'est ça le problème. CSGO, ouais, il y a peut-être de l'action mais pas tout le temps. C'était super chiant à la fin. C'est cool, tant que la partie se fait, je vais peut-être aller chercher à bouffer rapidement. Voilà merguez, tu m'as cassé les couilles, voilà ce que tu ramasses dans la gueule. Hein, avec tes 400 abonnés de mes deux couilles là, à cause de toi j'ai ragé. Alors... De bombe a été déployée. Voilà. Hein. C'est toi qui l'as cherché, alors tu vas rester bloqué pendant 300 secondes et non je vais pas faire du G-Mod. L'ennemi va vous repérer si vous restez là. Vous avez été repéré. Il reste un allié. Mission ratée. Les alliés ont été éliminés. Merci. Toi, t'es un bon admin. Il faut localiser une bombe. Je sais, je suis une grosse merde. Votre drone a trouvé une bombe. Je suis vraiment dans le début des parties, je sais jamais où aller. Je suis tellement pas habitué à jouer, mais pour ça défoncer des gueules, localisé par le drone. Insertion dans 10 secondes. T'as le drone qui va faire à quel boulot, hein. Bonjour monsieur, c'est quoi votre demande? Matt, comment ça va?
Désamorceur entre nos mains. Rejoignez la bombe et désamorcez-la. Grosse merde, t'inquiète pas, toi aussi, je vais une fois t'as plus les désamorceurs. Fais ta grosse merde. Désamorceur repris. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi après. Mais oui, je sais, je suis une grosse merde, mais quand même, arrête. T'es méchant. J'ai pu passer mais je m'en bats les couilles, je vais faire. Ah, récupérer le désamorceur. Jouez-moi s'il vous plaît, je vous en supplie. Putain. Ah, je suis une sous-merde. Tuez-moi. Ah voilà, hein, on travaille sur l'ordinateur. Eh, Counard. Voilà, c'est bâtard, j'ai eu une fois l'acheter. Des amorceurs récupérés. Mais... c'est que t'es un bâtard. Ouais, arrêtez, vous êtes pas de bâtard. Alors voilà, je vais rester un agent allié. Mais vigie. Voilà, je vais rester toi, tu me connais pas toi. Putain. Bon, il y a tout le monde contre moi hein. Tous mes modos sont contre moi, c'est quoi ce bordel? Eh, c'est la révolution des modos ratés ou bien comment ça se pousse? Vraiment, c'est vraiment la révolution des modérateurs. Non, ça casse les couilles comme ça, c'est incroyable. Faut pas faire tout ça. Non, vraiment, je vous paye pas pour ça là, putain. Ah oui, c'est pour de vrai, t'es pas trop... toi, t'es pas que modo, hein. Toi, Matt, t'es pas que modo. Oui, maintenant, je vais te me rappeler. Hein. Hashtag sexfriend. Non, s'il te plaît. Eh, le modo, tu sais très bien, c'est quoi ton job? Mais attends, sinon, on le laisse encore. Oui, tu sais très bien ton job, maintenant, tu le connais, je crois, à la fin. Voilà. Oui, parce qu'en fait, Vergas là, il m'a cassé les couilles. C'est pour ça que maintenant, c'est voilà. Ça, c'est son job maintenant. Chaque fois qu'il vient pour le kick. Je sais que c'est un coup de bâtard, mais hein, des fois, il faut prendre des risques. Comme moi, et crever comme une merde. Putain, je suis vraiment une sous-merde des fois. Bon, ça va, c'est parce que je suis trop... parce que j'ai eu le sport aujourd'hui, maintenant j'ai mal au bras, c'est normal que je perds. Non mais vraiment, c'est incroyable. Ah putain, on a dû faire 40 pompes. Ah merde! Ah! Les bras sont bloqués. Il se le prend son blocage. Bah ouais, c'est pour ça que j'étais moins admin peut-être, c'est normal.
vraiment là j'ai les meilleurs modérateurs du monde. Ça me fait trop plaisir. Je chiale carrément. Oh mon dieu. Mes petits modérateurs sont devenus adultes. Oh putain. Putain, ça me fait trop chialer, mes petits modérateurs chéris deviennent adultes. Oh putain, c'est tellement émouvant. Préparez-vous à combattre. Oh putain, l'attaque. Encore 10 secondes. Pur renforcé, c'est bon. Ah bah là, c'est chaud. Ouais, bah d'ailleurs, hein, tout ce que je veux dire. Hop fort à l'otage en vue. Équipement opérationnel. Allez hop, un petit piège. Système en place. J'installe ça. Ok, d'accord. Pourquoi je fais ça? Attends, merde. Balle de fragilité. Je suis une sous-merde, personne m'aime. Génial. Voilà. J'ai pas assez ma soumise. Quelqu'un vous traque. Ah, d'accord, en fait, le mec il est en train de snapper tout le monde. Allez, va te faire foutre, tu sais quoi? Ta gueule. Ah ouais, mais en fait, c'est un gros bâtard. Ah ouais, mais... Oh mon dieu! Hashtag Pokémon. Ouais, bah bravo, hein, à cause de ton pouvoir soumis, là, je me suis vraiment fait enculer. J'espère que t'écoutes. Oh une sous-merde! Videz votre sac, dis-je glaçado. Une sous-merde! Bon, je peux rien dire parce que je suis encore le plus... Je suis encore... Dernier agent allié. Allez, crève salope. Échec de la mission. Les alliés se sont fait neutraliser. Putain, mais ta gueule. En fait, ma petite Matt, tu voudrais peut-être aller sur Gmod, hein. Je te rappelle que t'as un PC de merde, hein. Un PC de merde. Un PC de gros zomb. Un gros PC de merde. Alors quoi, un petit peu laisser lancer déjà en Garage Mode pour qu'après on pourrait jouer ensemble. Ça va pas faire du mal. Fragile protection. Ah bah voilà, hein, avec ta publicité là, j'en ai ma claque. Connard. Voilà ça, voilà toi, je vais t'enlever rapidement ton truc d'admin. Ouais, Fragile Production. Bah non. Ça compte pas comme de la pub parce que c'est moi le directeur de Fragile Production. Là, ça marque, c'est quoi? Tu vas casser les couilles. Ça m'a la pute, arrête! Je vois plus rien! Autotransférisé. Ah putain! Oh mais. Ouais, en fait, ça, je m'en bats les couilles. 5 secondes. Non, c'est pour te dire, je m'en bats les couilles que t'es UC sur Copatrol Server. Vous pouvez engager. Trouvez l'otage et rejoignez le point détecté. Waouh, non, t'es sûr. Non, mieux vaut dire un viol détecté. Connard. Le pédale, là, fais le job que l'autre connard a fait. Connard, t'as vu, je suis un professionnel, je sais casser des caméras. Putain, ça marre la pute, je t'en cul.
Oh putain. Eh vraiment, Matt, t'as vraiment une vie de merde. Parce que si c'est le seul truc bien que t'as fait dans ta vie, je te dis vraiment, bravo. Tous les alliés ont été anéantis. T'as quoi? J'ai vu de viol détecté avec toi. T'inquiète pas, je vais te violer, connard. Une fois, t'inquiète pas, ça va se reproduire sur Garry's Mod. T'inquiète pas, je vais t'aider à l'œil. T'inquiète pas, hein. Le viol va bientôt venir. Ami en fait, hein, sergent. Sergent Matt, hein. Il est où notre petit couple? Notre petit couple, hein. On a déjà oublié. Sex friend. On a déjà oublié ça. Connard. Il faut protéger la pièce. Ah, et encore, n'oublie pas que Jérémy, il faut encore le nourrir, hein. C'est pas moi qui vais me faire chier à le nourrir. Le pauvre. Position de l'otage repérée. Atome imminent. C'est très bien que je sois un gros flemmard. Eh, c'est ta faute que Jérémy est né dans un truc de golf. Maintenant il me casse les couilles avec son golf là, putain. C'est moi à cause de toi. Eh ben quoi, c'est pour de vrai, en plus l'autre con là de Scorpio là, Toronto là, le couleur, hein. Et lui maintenant tout ce qu'il a envie de, c'est boire de l'alcool et avoir une bagnole. C'est à cause de quoi ça? Parce qu'il est né dans notre coffre. Il est né dans notre putain de coffre. Est-ce que tu trouves ça normal? Hop fort, peut voir l'otage. Chiant, j'aime pas le golf, en plus tu le sais très bien, mais tu l'as quand même appris. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu me fais souffrir? J'installe le tapis rouge. Il barbelé posé. Déploiement du tapis rouge. Mais Scorpio, hein? Scorpio lui, hein? Maintenant il est devenu un junkie drogué, c'est moi à cause des conneries là. En plus on le voulait même pas, alors ta gueule. Oui, c'est Scorpio maintenant, c'est pas le Scorpio, c'est Scorpio. Bon, hashtag Tanguy, Tanguinou. Voilà, hein, en fait il s'appelait Tangou. Tanguinou, alors voilà. Alors voilà, c'est ta faute là, putain, je voulais pas avoir de gosse. Moi tout ce que je voulais faire c'est crac crac et toute la journée là, putain, c'est toute ta faute. C'est toi qui voulais avoir un gosse. Rechargement. C'est pas moi, ok. En fait, tout ce qu'on a à dire, c'est qu'en fait, ils sont adoptés, hein, après, voilà. Ben, on va dire qu'on est trop jeune pour avoir des problèmes, je veux dire, hein. Quand même, on est un petit peu trop jeune. Alors, on peut un petit peu le mettre quelque part, et après, on peut gagner de l'argent, hein. Après, on peut continuer. Putain. Vous êtes tous des bandes de connards, c'est incroyable. Bande de canards, hein, c'est pas connard chez moi, c'est canard. C'est-à-dire, si t'as envie de dire connard à une personne, t'as qu'à dire canard. Voilà, c'est ma règle, sinon je vous banne. Ouais, je le sais. Parce qu'en fait, c'est un petit délire qu'on a fait depuis plusieurs semaines. J'adore mon job. Mais putain là, à cause de vous, je suis mort. Ouais, je sais que t'adores ton job, hein. Pour ça, tu vas me payer combien, hein, tu vas me payer combien quand même, hein. C'est grâce à moi que t'as eu ton job là, putain. Tu me payes combien?
Oui, parce que maintenant c'est les employés qui payent le chef, c'est complètement normal. Tantôt, en fait non, j'ai tellement envie de le faire rage, je sais pas pourquoi. J'ai mon petit côté là, mon petit côté dark qui vient. Les alliés ont été éliminés. Moi j'ai mon petit côté dark, mon petit côté sadique, mon petit côté fils de pute qui vient. Oh là là, mon petit côté fils de pute qui est parfait. Oh mon dieu. Parce que tellement j'ai envie tellement de faire souffrir une personne. Vraiment j'ai mon petit côté connard qui vient. Souffrir hein, des personnes, c'est mon truc préféré à faire. Putain, la face cachée d'un homme, de faire souffrir, hein. Faire souffrir. Marie Merguez. Oh, ça va, hein. Un abonné en moins, un abonné en plus, c'est seulement des chiffres. Voilà, en fait, je vais tellement rigoler, ça a pris, en fait, il s'est désabonné. Je me désabonne, ok. J'écoute le boss. Mais non, je te fais jamais souffrir, bébé. C'est très bien qu'on ait un couple. Pourquoi je devrais te faire souffrir avec ta beauté infinie, hein, ça, je peux toujours pas comprendre, alors. Avec ton petit cul, là, de sergente, sur Garry's Mod. Pourquoi je devrais te faire souffrir? Tu peux m'expliquer? Ouais, voilà quoi. Bon, ça dépend. Ouais. Et déjà, je t'ai jamais fait souffrir, ok? Eh, t'as dit gênant, je m'en bats les couilles, t'as dit gênant. Oh putain, ce vieux délire qui revient. Les vieux dossiers qui reviennent, hein. Hein, Matt. Les bons vieux dossiers qui reviennent tout d'un coup. Hein, ça t'a manqué, hein. J'espère vraiment que ça t'a manqué. Je sais très bien que ça t'a bien manqué, hein. Les bons vieux dossiers qui reviennent. Oh putain. Ah oui, les bons vieux dossiers qui reviennent là. Ah là là. Ah bah voilà, t'as mis gênant. Ça c'est pas bien que tu mets gênant, hein. Je sais, je me rappelle bien, t'as dit que t'étais habitué, comme ça, hein, hein, mon cul. Ah mon dieu, c'est gênant. Ah mon dieu. Oh mon dieu, c'est tellement gênant. Nous devons protéger le conteneur. Ah, maintenant tu l'enlèves, hein. Ah d'accord, c'est pour toi, toi tu connais rien du tout, à notre histoire est un petit peu chelou, mais on s'en bat un petit peu les couilles. Le drone d'Oxford a trouvé le conteneur radioactif. Oui, oui, bien sûr, on te croit, on te croit. T'as mes drones de mes deux couilles. En fait, je suis une sous-merde, vous pouvez me traiter de tous les noms. 10 secondes restantes. Moi je rigole, vous avez pas le droit de me traiter, bande de canards. Plus que 5 secondes. Oxford a localisé le conteneur radioactif. Avancez, restez à l'écart. Barbelé en place. T'as mis, pose ton truc là. Pose ta grand-mère. Non, il y aura un moment gênant. T'inquiète pas, je vais te gêner encore plus si tu écris ça. D'orge. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Merguez, on te laisse encore une chance.
sert à rien de changer ton nom, t'es pas con, hein, t'inquiète. Non mais hey, on laisse encore une seule chance, ok? Je sais. Oui, on se demande pourquoi. Oui, oui, continue à faire ta victime, bien sûr. Je sais pas. Gaming, gaming. Oui, gaming. Je crois que c'est gamine, parce qu'en fait le mec il sait même pas écrire meuf, alors ta gueule. C'est une vraie histoire, il a écrit meuf. Il a écrit meuf à la place de meuf. Désolé, mais là, le respect, je l'encule un petit peu, son respect, là. Des serpents qui vont accrocher à moi. Il reste un allié. Et où il était? Il était derrière moi, oui, bien sûr. Pas ah. Oh, putain, c'est pour ça que j'étais un bébé, parce que t'es tellement rigolo. Il a dit meuf, ça m'a insulté, ok. On écrit jamais meuf, ok, sinon je vous défonce. C'est quoi en fait, on s'en bat les couilles, hein, on se l'avoue, on s'en bat les couilles. On s'en bat tellement les couilles, il faut quand même l'avouer. Dernier rapport, sécurise le conteneur radioactif. Bah vous avez vu, je suis pas une sous-merde là, toujours dire que je suis une merde, putain. Vous avez vu, je suis un bon joueur, je suis pas une sous-merde. Mais c'est clair, ben oui, tout est clair avec moi, t'inquiète pas. Avec moi, toujours tout est clair. Même la foufoune de maths est claire, t'inquiète pas. Mieux dire, il est devenu clair. Ah oui, alors là j'ai bien nettoyé quand même. Oh putain, c'est quoi ce délire de merde qu'on a? Mais c'est toujours aussi rigolo. Un délire de merde, c'est toujours rigolo. J'ai jamais compris pourquoi, mais on s'en bat les couilles, hein, il faut l'avouer. Putain, en plus ma chaise qui est en train de cuiner là, on dirait qu'il est en train de se faire violer. Bon, bien sûr, je suis pas un chérophile. Vous inquiétez pas. Je suis pas un chésophile, sinon ça serait vraiment bizarre. Ah, quand je l'ai bien foutu de l'intérieur là, mes 5 cm, putain, c'était vraiment. mes petits 15 cm là, c'était beau. Oh, mais ça va, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon dieu, j'aime pas quand tu fais ça. Mais je rigole, bébé, je suis désolé, me frappe pas, ne pleure pas, j'aime pas quand tu pleures. En plus, tu sais très bien que j'aime pas quand tu pleures, après tu fais exprès de faire... Putain, pourquoi tu me fais ça? Putain, je suis y allé, moi, désolé. 5 secondes avant l'insertion. Voilà, bravo, t'as réussi à me faire chialer. Content, j'espère. Rejoignez l'emplacement du conteneur. Je ne voulais pas, bébé, s'il vous plaît, ne me laisse pas tomber. Désolé, arrête. Je vais tout faire ce que tu veux. Bon, sauf des trucs dégueulasses, non, ça je vais pas faire, mais quand même. Je suis désolé.
J'espère que tu vas me pardonner pour tous les trucs que j'ai fait. Activé. Il est temps de percer quelques trous. Activité ennemie repérée. Arrêtez de sécuriser la pièce. C'est à cause de toi, Matt. C'est à cause de toi. Reprenez la sécurisation du conteneur une fois la menace enrayée. Mais ça va là, putain, ok, j'arrête le live, tu m'as fait chier. Voilà, t'es content? T'es content? Tu m'as fait chier. Bravo, tu m'as énervé, bravo. J'espère que t'es fier de ton coup. Voilà. De toute façon, hein, je me suis déjà assez fait chier, ça fait déjà une heure, alors au revoir. Bisous, bisous. Toi, tu m'as bien cassé les couilles. Bon, bref. Bah ouais mes petits cocos, vous croyez si j'arrête mon live je peux pas le recommencer directement, bande de biatch? Allez vous faire foutre. Yep, mon live recommence. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous me connaissez pas moi? Vous me connaissez pas? Vous me connaissez pas? Voilà. Je voulais seulement vous dire que vous me connaissez pas. Tout ce que je voulais dire, j'avais sinon rien à dire, alors... Vous me connaissez pas! Oh, t'inquiète pas. Oh, ça... Mais maintenant, y'a tout le monde qui chiale à sa mère! Je suis désolé! Putain, ouais, carrément, plus qu'une personne qui me regarde. Ah, merde. Ah putain, mais toi tu fais vraiment... Oh putain Matt, toi des fois je crois que t'es encore plus pire que moi. Je crois que t'es encore pire que moi des fois. Je sais pas pourquoi mais j'ai une sensation que des fois t'es encore pire que moi. Et pire que moi ça n'existe pas, ok? C'est un piège de merde. Le drone d'Opfort a trouvé le conteneur radioactif. 10 secondes restantes. 5 secondes. J'installe des fois, je crois qu'il drone d'Opfort a localisé le conteneur radioactif. Il a bien pris de son père. Et je me demande vraiment c'est qui. Ah non, je me demande vraiment c'est qui est aussi beau, si majestueux. Aussi bien pour dire ces mots là, je crois que c'est moi. Je suis pas sûr. Je crois que je suis son père. Je sais pas, mais je ne sais pas. Mais il a beaucoup appris, mon petit. Gardez vos distances. Parfait pour une décollez ça là. Nique-toi, XD. Caméra activée. En fait, je m'en bats les couilles. Non, en fait, je m'en contre bats les couilles. Oh là, en fait, tu vois, je prends mes couilles, je prends une ceinture, hein, je les latte, je les latte. Voilà, je les latte. Je vais carrément latter mes couilles tellement que je m'en bats les couilles. C'est pas que t'es contre. Mon dieu, il y a un tapis rouge. Il y a un tapis rouge. Putain. Ouais, OMG, ben oui, ma foi, hein. Pour dire qu'on s'en bat complètement les couilles, il faut vraiment prendre carrément une batte de baseball, alors. Mon dieu. Oh, ta gueule. Oh, voisin, ferme ta gueule.
Mais pauvre eux, c'est pas en faute s'ils passent devant moi, hein. Mais voilà, s'ils passent devant moi, ils ramassent leurs balles, hein. C'est pas ma faute là, putain. Ta gueule. Dernier agent. Ah oui, c'est tranquille, oui. Éliminé. Allez hop, c'est qui a dit que je suis une merde? C'est qui a dit que je suis une merde, des salopes? Mais pour ça, j'ai buté un de mes potes sans faire exprès. Alors, je suis vraiment une sous-merde en fait. Je vais pas faire le beau, je suis vraiment une grosse sous-merde. Boum. Ah, Matt est parti. Ah d'accord, Matt est parti, il me laisse comme ça tout seul, musique, votre bordel. Putain, j'ai pas envie de faire le chat là, le chat qui me joue toujours comme ça, en mode... Putain, mais Matt, arrête de me laisser tomber. Matt, arrête, pourquoi Matt? C'est sa faute, là, sa mère. J'ai rien fait, tu sais très bien que je t'aime. Oh, putain. Ah bah merci hein. Putain, snap. En fait je me fais tellement chier, c'est incroyable. J'espère que je pourrai bientôt faire des compétitifs, parce que les compètes c'est tellement mieux que le truc occasion de main 2. Ouais, toi aussi tu Matt, tu m'as aussi blessé hein. J'avais peur, j'ai cru que t'es parti. J'ai cru que tu m'as laissé tomber seul. J'ai cru que tu m'as laissé tomber. Putain. Matt, pourquoi? J'avais cru que tu m'avais laissé tomber. J'étais à deux doigts de me suicider. Pourquoi, Matt? Pourquoi? 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 T'as failli briser le cœur. Le contenu radioactif a été localisé. Bon, peut-être pas ça, mais quand même. Depuis quand tu me laisses tomber? Depuis quand tu me laisses tomber? Merguez, on te laisse une chance. Si tu casses les couilles, tu sais très bien ce qui va se passer. Ah, un secours. Conteneur radioactif localisé. Rendez-vous sur place. Ah merguez, on te laisse encore une chance. Si tu casses encore une fois les couilles, boum, 300 secondes. Mais wesh, le pauvre. Bah non, en fait, t'as pas le droit. C'est interdit. C'est interdit par la loi de YouTube. Hein. C'est tout nouveau. En fait, YouTube a fait créer ses lois seulement pour les petits couleurs. Voilà. Spider-Man! Spider-Man! Oups, désolé! Fais pas trop ton fier. Non. Putain, c'est une espèce de doigt, il me casse. Non, en fait, je ne connais même pas. C'est une personne que je connais même pas, alors en fait. Je me contrefous de sa vie. Rechargement. Vivez votre sac. Dis-je-glace-sa à douche. Vous êtes les prochains. Dis-je-glace-sa à douche. Wesh! C'est quoi ce ninja? Oh, comme dans ce moment. C'est quoi en fait? Boum, l'orage quitte. Retour au menu? Non, bien sûr pas. Alors, carrément de jeu. Parce qu'en fait, j'ai bien envie de faire un autre truc. Parce que, comment dire, oui, Rainbow Six c'est bien, mais c'est chiant. Non, je suis pas en train de racheter, c'est que ça devient chiant en fait. Une fois que je me fais super chier.
Un resto? Ah bah je vais, c'est très bien. Ah bah c'est bien. Tu pêches, c'est toujours bien, hein, putain. Je sais dire que moi avec qui, mais putain, toi tu dois vraiment dépenser une tonne de fric pour ta copine. Damn. Donc le mec il dépense 1 million pour elle. Je fais tout pour elle. Clairement suicidé pour elle, tu vois le truc. Putain. Bon, je veux dire, c'est sûr, mais quand même. Quand même. Le mec, tu vois, il paye 1 million pour sa copine. Et sa copine a payé quoi, 0. Attends, et sa copine, il a dépensé pour lui environ quoi, un centime. Un centime pour lui. Et lui, il a déjà quoi, payé 1 milliard. Ah, t'as mis une boule. Bon, allez, à plus. C'est quoi ton mini boulot, hein? Il travaille pour sa copine. Ah, je trouve ça des fois tellement mignon, le petit couple. Matt, tu viens sur Charisma ou bien un truc pareil? Payday si t'as envie, hein? Je m'en fous carrément. Parce que je crois que je vais arrêter le live et le reste de mes heures, que je peux encore se réveiller. Je vais passer tout seul à jouer un jeu et rager tout seul. Dire tu vas sur ton PC, j'espère. Ah non, merde, t'as le resto, c'est pour de vrai. Ah, d'accord, tu travailles pour son père. Alors, toi, t'as connu ta copine parce que tu travaillais avec son père. C'est pour ça que son père t'a trouvé bien et c'est comme ça que t'es revenu avec sa copine. Mais sûr. Ok. Ah bah putain, c'est-à-dire que en fait ta copine t'a demandé à son père si toi tu peux travailler avec elle. Ah putain.